Impacter dans le monde n'est pas une mince affaire. Et lorsqu'on est de la race noire, on a souvent été objet de la discrimination raciale au pays des Blancs. Mais pour y remédier, il faut avoir de la force, de la détermination, du courage, mais aussi de la prise de conscience. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre programme Model and Star Story, présenté par votre humble serviteur, Graxi Jetin Moubiaï, que suis-je, et qui reçoit pour vous l'une des super top modèles la plus connue de sa génération. Avant de la recevoir ici sur ces plateaux, on va faire un petit tour à la régie, elle va nous balancer un portrait qui lui définit d'ailleurs mieux. Et après, nous allons se retrouver juste après pour la continuation de cette émission. D'une hauteur de 1m80, Sarah Kanika Touré, une super top modèle, marque ses empreintes partout où foule ses pieds. Originaire de la RDC, ce mannequin philanthrope sera sacré top modèle au cours d'une compétition nationale des top modèles dénommée Top Model Academy en 2018 à Kinshasa, et qui va l'octroyer le titre d'inérigie pour Yves Rocher, une marque de soins cosmétiques et corporels. À seulement 22 ans, cette dernière participe à un concours mondial dénommé Miss Model of the World en Chine et elle est élue première dauphine parmi les 54 conquérantes avec sa peau noire. Now, the first runner-up for the 30th Miss Model of the World goes to number 13, the Democratic Republic of Congo. 恭喜, 来自刚果的13号佳丽获得亚军。 We still have the top winner coming, girls. Wow, 非常别致的一个戴皇冠的一个手法啊！ 非常美丽，来，我们一起来合影。Et l'on se demande d'où est venue la gloire de cette belle fleur fine qui éblouit le regard. Sarah Kanika, peu après son bac, elle va quitter son pays natal, la RDC, pour aller faire ses études universitaires de business management en Inde, sans se rendre compte que c'était bel et bien le chemin qui lui accrochait à son destin. I'm here because of Unlimited Model 2015. Elle va être repérée grâce à ses mensurations de rêves presque rares et introuvables par une agence de l'Inde la plus connue du pays. Kani, au-delà de l'humilité et de la beauté, c'est une femme qui désire être un modèle de motivation et de la réussite pour changer le rêve d'autres femmes de sa société, pourquoi pas de l'Afrique. Je m'appelle Isaac Kalonji, aka Isaac le danseur. Je suis un ami proche de Sarah Kanika, que vous connaissez sous le nom de Miss Kani. En globalité, ce que je peux dire sur Miss Kani, c'est que c'est une femme de valeur, une femme avec un grand cœur en tout cas. Et je l'ai connue brusquement, comme ça, la vie a fait qu'on se connaisse. Et aujourd'hui, on est très proches. Et par rapport à sa carrière, c'est l'une de Miss très rare qui a eu un parcours comme, comme elle a eu, le faire à l'étranger, représenter la RDC dans un concours de top model en Chine. De retour sur ce plateau, j'espère que vous avez adoré ce portrait qui a défini la Miss Kanika, avec qui je suis d'ailleurs sur ce plateau. Et je lui dis bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez très bien. Bien, merci. La Miss Kani. Voilà. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux, des modèles and Star Story. Donc, vous êtes notre modèle d'aujourd'hui. Alors, je m'entends déjà à ma toute première question. Vous êtes sorti de la poussière aux étoiles, alors que tu sois parti en Inde pour les études. Mais arrivé là-bas, votre destin de top modèle change. Et qu'en pensez-vous dans tout ça? Déjà pour commencer, j'aimerais remercier mon manager et le photographe, c'est-à-dire la première personne qui m'a choisi. Mm. Ben, c'était pas facile hein, au début déjà pour commencer, c'était pas du tout facile. Je suis arrivée, c'était pour les études et après déjà ma famille, personne ne voulait que je fasse ça depuis le pays. Mm. Et donc
il y avait mon père qui était toujours derrière moi, donc c'est compliqué. Compliqué. Mais je savais que c'était en moi, c'était mon destin et tout. Je devais le faire, en fait. Parce que voilà, je savais que c'est un don que Dieu m'a donné. Alors, une fois, j'ai été repérée comme ça, en boîte de nuit d'ailleurs. Oh, Je suis sortie c'est en une surprise, famille, oui, en famille, et je suis tombée sur un photographe qui me dit, ben, qui m'approche, qui me dit, ben, tiens, vous êtes mannequin? Et puis, je dis, non. Est-ce que vous avez déjà défilé? Non, du tout. Ok, j'ai un shooting à te faire, ça te dit? Je dis, ok. Il m'a passé le contact et tout, on s'est appelé, on a fait un shooting. C'est une longue histoire, au fait. Et ça a commencé, après, il a publié mes photos, et puis après, des agences ont commencé à contacter et tout, et j'ai eu des défilés. Et après, j'ai participé à un grand concours en Inde. C'était vraiment un concours d'un grand monsieur, oui. que je salue aussi. Il Alors, s'appelle comment? Prasad Bidapa, Ok. ouais. Et quand je suis arrivée au casting, et voilà, j'ai été retenue. C'était un grand concours, au fait, j'ai été retenue. On a été retenue à trois, et moi, j'étais parmi. Et puis après, une semaine après, je ne savais même pas, on m'appelle, on me dit, ben tiens, prépare-toi, prépare tes bagages. On a un défilé à Sri Lanka, Colombo. Voilà. Je dis, Toujours en oh, Inde. non, 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 c'est un autre pays, Ok. pays voisin. Et j'étais surprise, je dis, ben tiens, j'ai jamais fait un grand défilé, c'était un Fashion Week. J'ai jamais fait un Fashion Week, j'ai jamais défilé, ben Voilà. comment je vais faire, quoi? Donc comme ça, c'est comme ça que c'était parti. Et tout ça, vos parents étaient au courant de ça? Non, je Ah, le faisais en cachette, en au fait, en cachette. cachette. C'est-à-dire, mon père, il connaissait pas, mais ma mère, oui. Parce que tout ce que je faisais, je disais à ma mère, maman, et tout, je vais voyager, maman, je vais faire ci, je vais Ok. faire ça. Alors, mon père, il était, voilà, il Tout connaissait contre pas. ça. Il était contre depuis le pays, donc il était vraiment contre. Mais ma mère, elle était, ma mère, c'est elle qui m'encourageait d'ailleurs, Voilà. j'adore. C'est elle qui m'encourageait et tout, elle me Oui. disait, vas-y, tu vas le faire et tout. Mais à un moment, il fallait cacher quand même à papa. Donc voilà. Mais les autres, le membre de ma famille et tout, tout le monde était au courant, sauf mon père. Et à partir de quel moment qu'il a enfin accepté tout ça? Il a accepté quand je suis revenue après mon diplôme, parce que normalement, j'étais partie pour les études. Je Voilà. suis arrivée, j'ai dit, ben ok, je faisais les deux en même temps, les OK. études et le Le mannequinat et tout, mannequinat. donc j'ai combiné les deux. Alors, arrivé à la fin, je me dis, ben, parce qu'il arrivait un moment, j'ai pensé arrêter les études pour le Continuer mannequinat. le mannequinat. Mais je suis revenue pour, c'était en vacances, si je ne me trompe pas, 2016. Je suis revenue pour le stage. Il y avait un concours qui devait se passer Miss Congo. J'ai OK. dit, ben, ok, peut-être c'est l'occasion pour moi d'arrêter avec mes études et tout. Là, j'étais en deuxième Très graduat. dur. Alors, je parle à ma mère, je dis, ben écoute, il y a un concours et tout, moi je vais participer. Elle était d'accord, hein, elle a toujours été d'accord. Mais mon père a dit non. Toujours Non, non, opposant. non. J'ai pleuré, je vous jure, j'ai pleuré. Je me suis enfermée dans la chambre et tout, je ne parlais plus à personne, mais bon, ça n'a pas changé. Et j'ai dit, ben ok, comme lui, il veut que je ramène un diplôme, ben je veux le faire, comme ça il va me laisser libre. C'est Donc ça. quand je suis repartie, j'ai fait de mon mieux, j'ai fini mes études. J'ai fini en management d'ailleurs, Ok, Human business. Resource. Ok. Et quand j'ai fini, je suis revenue avec un diplôme bien fait. J'ai satisfait d'ailleurs. Et il était content, il était vraiment content. Après, il m'a dit, bon, je pense que c'est le moment. Tu Je es peux grand, faire tu tout peux ce que tu continuer. veux. Donc voilà. Quel sentiment avez-vous quand tu te rends compte que l'occidental a beaucoup plus contribué à ton émergence en ce qui concerne la mode, les mannequins et tout consort, plutôt que ton pays? Ouf. Parce qu'il faut se le dire, En hein? vrai, Oui. oui, en vrai, je suis quand même déçue. Ok. Là, je veux le dire. Je suis quand même déçue parce que je me dis, quand je suis revenue, au fait, au début, je ne voyais pas parce que j'étais encore, enfin, avant de partir, j'étais encore petite et tout. Mais quand je suis revenue, je me suis dit, on a tellement de talent ici. C'est-à-dire, on a vraiment des Donc, au moins vrais Kinshasa. mannequins. Oui, on a de vrais mannequins. On a des belles misses. On a vraiment voilà, il y a beaucoup de potentiel, mais c'est juste que
je dirais pas de la chance où il y a personne pour pousser, quoi. Il y a Voilà. personne pour mettre en avant, il y a personne pour aider ou ça fait mal, c'est quand même triste. Parce que quand je me rends compte que si j'avais pas eu cette chance d'aller D'aller étudier étudier en Inde. en Inde, peut-être que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est quand même triste. Une petite différence entre Top Model et Miss? Oui, il y a une très grosse différence. Hein. Parce que déjà, pour commencer, une Miss, ce n'est pas seulement la beauté. Ou, non, une Miss, c'est... Moi, j'ai défini une Miss comme une maman. Une maman, une mère. Donc, qui a tout. Parce que l'éducation se fait de la maison, c'est plus les mamans, quoi. Donc, une mère, pour moi, c'est... Voilà. Donc, un grand cœur, quelqu'un de humble. Oui, la beauté aussi intervient, mais pas trop. Mais un mannequin, c'est plus le physique. Mais une Miss, c'est pas seulement le physique. Une Miss, c'est tout. Un mannequin, c'est le physique. Faut avoir le physique bien, bien fait et tout pour représenter la marque, représenter les vêtements, Okay. représenter... voilà. Donc, représenter, c'est en termes aussi des photos. Oui, Il de suffit photos, de de faire des photos. photos pour être appelé top model. Non, j'ai bien dit avoir le physique et aussi bien représenter la chose. Ok. Sinon, si vous avez peut-être le physique, mais vous n'arrivez pas à représenter la chose, là, ça craint. Donc, il faut avoir tous les deux. Ou plus aussi, il y en a. Moi, j'ai cité quelques... Ton parcours est défini de plusieurs apparitions internationales que nationales aussi. Alors, c'est un résultat d'un travail acharné, soit voilà, d'un destin pardon, très bien tracé, déterminé. On t'a vu partout, presque dans le monde. Ben, moi, je dirais plutôt, c'est un destin. Surtout avec cette peau noire, C'est faut un pas l'oublier, destin, hein. oui, justement, c'est pourquoi je dis que c'est un destin. Parce que, oui, il y en a qui travaillent dur hein, pour arriver où je suis. Et coup de chapeau, c'est vraiment un destin pour moi parce que j'ai pas forcé. J'ai Voilà. fui d'ailleurs, je me suis éloignée, mais jusqu'à Ça la t'a toujours fin, attrapé. justement. Donc, c'est-à-dire, C'est c'était une un grâce destin, c'était mon divine. destin, voilà. Donc, c'était vraiment prévu et tout. J'ai fait mon grand défilé. On m'a pas appris qu'il fallait défiler comme ça, il fallait non. On m'a appris, je suis partie défiler une semaine et tout. Deuxième jour, j'ai mis mes talons, je marche. Donc, c'est pas que. Donc, je me dis que c'est un destin. Vous avez participé dans une grande compétition mondiale dénommée Miss of the World. Miss Model of the Miss World. Model of the World. Vous êtes sacrée première dauphine parmi plus de 74 pays du monde. Ah, ça fait vraiment, ça fait chaud, hein? Avec votre peau noire, une femme de couleur, étiez-vous victime d'une discrimination? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ben, c'est un sujet, des fois j'aime pas trop en parler, mais bon, Oui. je dirais que ça n'a pas été facile en tout cas. Déjà, les Noirs, nous sommes sous-estimés, comme vous Oui. l'avez dit. Donc, j'étais pas la seule Noire. Il y avait presque six pays, Ce Côte pays. d'Ivoire, Mali, Ghana, Namibie, Éthiopie, Zambie. Il y avait, mais j'ai été la seule qui a été Élue élue première dauphine. parmi les cinq, c'est-à-dire première dauphine. Et il y avait une Miss Afrique, parce que dans chaque catégorie, il y avait Miss Continent, Voilà. Miss, et puis après, Miss Mondiale. Donc, Miss Mondiale, j'ai sauvé l'honneur L'honneur congolais. Congolais et de l'Afrique. L'Afrique, exactement. Donc, on était sous-estimés, oui, c'est vrai. Des fois, parce qu'il y avait, je ne vais pas citer le pays et tout, il y avait d'autres Miss de l'Europe ou je sais pas, qui, des fois, ne voulaient pas peut-être nous parler ou soit. C'était Les comme ça, regards quoi. dedans. Oui, du style, tu passes et tout, si tu es là à Il vous côté, néglige. elle Elle s'éloigne ou s'écarte, soit ouais. elle s'est. Voilà, elle change de place ou. Oui, on a vu ça, on a vu ça. Mais après, au début, c'était ça me touchait, au fait, ça nous touchait, hein, Voilà. nous toutes, ça nous touchait, nous les Noirs. Donc, c'est-à-dire que vous étiez, pardon, resté dans votre coin, là. Non, c'est ça maintenant la différence, c'est Voilà. que
Moi, ben, si je suis arrivée là, c'est un but, parce que c'est-à-dire Voilà. que je prenais pas ça en compte. Voilà. Je m'en foutais un peu. Ben, j'étais amie à tout le monde, blanc ou noir, j'étais amie Ça à tout le monde. t'évoque. J'ai parlé à tout le monde, sans exception. Mais oui, à la fin, c'était quand même touchant. Quand on revenait dans la chambre, peut-être on parlait. Ah, tu as vu cette mise et tout, tu as vu. Oui, on a vu, mais après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça. Et à la fin, moi, ça m'avait beaucoup touchée parce que je me disais, ben, si c'est comme ça, est-ce que vraiment je pourrais quand même ramener un titre chez moi? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que déjà, elles sont les plus belles, avec de longs cheveux et tout. Et Voilà. donc, voilà. Quand même. Et après, vous avez fait l'apparition de plusieurs magazines ici, à l'exemple de Elias Cosmetics et Bellissima. C'est encore une gloire. Parle-nous un peu de toutes ces collaborations. Pourquoi te Mmh. choisir toujours toi, pas les Justement, autres? c'est pourquoi j'ai toujours dit, pour moi, c'est le destin, c'est Dieu qui l'a voulu. Moi, je ne force pas. Je force pas. J'ai pas de fétiche. Je suis chrétienne. Je sais Surtout qu'il y a ça. beaucoup, qui se disent, cette fille, peut-être qu'elle a touché un truc parce que ça va pas, quoi. Non. Je suis chrétienne. Je suis d'une famille chrétienne et je crains Dieu. Donc, c'est un destin. C'était déjà écrit, moi je me dis. Voilà, c'est comme C'est ça. bien retracé. Justement, Lias Cosmétique, c'était un concours aussi, hein. OK. Comment j'ai postulé? Sur Facebook. Je suis revenue en 2018. Quand je suis revenue, j'ai vu Lias aussi venait de, voilà, voulait s'installer et tout. Ici à Alors, Kinshasa. à Kinshasa. Ouais. Alors, Lias qui poste sur Facebook, j'ai besoin d'un figure pour la marque. Et donc, j'ai dit, ben, c'est intéressant. J'ai envoyé les Obligé de photos. participer. Et à la fin, ils ont choisi. Moi, je ne connaissais personne là-bas. Ils ont choisi. Et un jour, ils m'ont appelé. Madame, j'ai dit, oui, c'est moi. Est-ce que vous pouvez passer? Et tout, je suis passée. Et puis voilà, c'était parti. Et pour Bellissima, c'est des contacts. OK. Donc, c'était quelqu'un qui a un bon ami à moi, que je salue aussi, qui a contacté Bellissima et qui a parlé de moi. Et Bellissima était intéressée. Elle dit, tiens, j'aimerais On doit bien tenter faire. le coup. Oui. Donc, c'était comme ça. Et c'était des très belles collaborations, c'est-à-dire du point de vue rémunération. Oui, Parce que oui, souvent, oui, on peut apparaître comme ça, mais bon, après, Ah on n'a rien non. dans la poche, Ah hein. non. Ça dépend. Et je pense qu'on va parler de ça aussi, hein. Ça Voilà. dépend. Parce que la rémunération, quoi que ce soit, ça dépend de comment toi-même tu te présentes, de ton portfolio, de ce que tu as dû faire, et voilà la suite. Donc, OK. moi, je pense que pour moi, ça va. J'ai quand même été bien Et rémunérée. tu es top modèle plusieurs fois d'ailleurs sacré. Tu es ici à Kinshasa, originaire d'ailleurs de la République démocratique du Congo. Quand tu vois ici au Congo, ça marche toujours pas. C'est encore au bas de l'échelle comme l'a disait l'autre fois notre toute première invitée. Le mannequinat, c'est encore au bas de l'échelle ici au Congo. Quand même qu'il y a des vrais top modèles avec des maturations internationales. Ça vous fait quoi de sentir tout ça? Étant un top modèle ayant évolué avec des blancs et tout consort, ici dans ton propre pays, chaos. En tout cas, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais à la fin, moi, je me dis, ce n'est pas. C'est de notre faute, en fait. C'est de notre faute. Dans quel sens? Déjà, nous-mêmes, mannequins ici, on ne se respecte pas. On ne connaît pas notre valeur. Et ça, ce n'est pas bon. Si tu ne connais pas ta valeur, personne en tout cas, ne va te valoriser. Alors, pour commencer, c'est toi-même d'abord. La prise de conscience. La prise de conscience aussi. Et déjà, si vous êtes sollicité par un client et tout, il faut savoir comment se présenter, comment se vendre au fait, comment se respecter et tout. Et souvent, les mannequins ne savent pas comment faire. Ici, au fait, je parle d'ici. Quand un client t'appelle et tout, vous présentez, et le client qui commence déjà par te rabaisser, non, il ne faut jamais l'accepter.
Mais la plupart de nos mannequins ici l'acceptent. Et ça, c'est pas bon. Ça nuit à ta carrière, ça nuit à ton image. Donc, il y a plusieurs choses à faire que, voilà, qu'il faut changer normalement. Et moi, je suis pour, hein. Je veux vraiment changer les choses. C'est pourquoi, quand je suis revenue, j'ai parlé de mon agence Cani Model Scanning model, Agency. ok. Et moi, je voulais plus travailler avec les mannequins Qui répondent aux qui sont. critères. Oui, qui répondent, justement, oui, mais qui sont mineurs. Pourquoi? Pour Ok. essayer d'encadrer, de changer la De leur mentalité, de préparer, ok. changer les choses, voilà, pour bien avancer. Peut-être que ça va toucher aussi les grands, qui sait. Donc, pensez-vous être une voie favorable pour cette problématique? Ouais, je le pense. Pas seulement moi, hein, il y en a beaucoup. Des fois, on en Ici, parle. à Kinshasa, lors d'une compétition des top modèles, vous êtes encore la gagnante. Parle-nous un peu de cette compétition. Bon, cette compétition, au fait, pour commencer, je fête parce que je voulais avoir un titre ici aussi dans mon pays. Parce que oui, j'ai fait ailleurs et tout, j'ai Il fait faut des. aussi dans ton propre pays Justement. Alors, avoir... quand j'ai parti, des fois, on me demandait est-ce que chez toi, tu as. J'ai dit non. Est-ce que je... Parce que j'ai pas plus passé de temps ici, dans mon adolescence. Voilà. C'était plus ailleurs. Et quand je suis revenue, je me suis dit ben, tiens, pourquoi ne pas faire? Donc voilà, c'est comme ça. Et je suis rentrée, j'ai commencé. Bien sûr que ça traînait un peu, ça a pris du temps. Et c'était la même période, au fait. Quand ça a commencé, vu que ça avait pris beaucoup de temps, et il y a mon manager qui m'a contactée pour me dire, il y a un défilé, un concours, Voilà. pardon, mondial et tout. Donc j'ai dû arrêter, stopper. Je suis partie et j'ai gagné. Quand je suis revenue, ben, j'avais pas le choix, il fallait finir quand même. Donc voilà, c'était comme Et ça. vous êtes nommé Top Model Académie 2018 et également égérie pour Yves Rocher. C'est quoi comme ça? Yves Rocher revient. C'est une marque de la France. Oui, la France, oui. Voilà. C'est comment? Ben, c'est parmi le contrat que Top Model avait signé et tout, donc voilà. Et moi, j'ai juste été élue, et après, Ça marche très bien avec Yves Rocher. Soit ça le a contrat est déjà marché, déjà fini. fini, C'est ça a déjà fini. marché, oui. Ça a marché, on a fait quelques. Voilà, on a travaillé quand même. On a travaillé. Et il fallait faire un voyage en France pour visiter la maison et tout. Mais bon, après, on a eu quelques complications et tout au niveau d'ici. Mais sinon, ça va. Ah. Ce serait quoi votre participation en termes de conseils? Vous avez dit déjà dès le début de cette émission que ton père s'y opposait. Mais c'est ta maman qui t'encourageait. Et aujourd'hui, vous êtes un exemple tangible qu'il faut essayer pour arriver et avoir une détermination forte. Ce serait quoi ta participation? Qu'est-ce que tu diras à ces parents-là? Aussi à des jeunes qui vous regardent, qui voudront bien devenir comme vous, top modèle. Donc voilà, c'est ce que je disais. C'est même l'une des raisons. J'ai pensé à créer mon agence pour essayer de partager mes savoirs, de partager ce que j'ai vécu, de partager, d'aider aux autres comment arriver, comment faire. C'est-à-dire, oui, c'est tout. Deux fois, hein, si tu regardes même le parcours de grands mannequins et tout, il y avait toujours quelqu'un qui s'y opposait. Voilà. Mais c'est arrivé. Et moi, je me dis, il y a un truc qu'il faut savoir. Si c'est ton destin, c'est ton destin. Si ce n'est pas le tien, ça va pas marcher jusqu'à la fin. Même si tu forces, rien à forcer. Il faut suivre les choses petit à petit. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui s'y oppose, pardon, Ouais. demandez pourquoi. Et écoutez, si peut-être la personne a raison, il faut suivre. Mais il y aura un temps. Si c'est à toi, c'est à toi. Si c'est pas à toi, c'est pas à toi. Donc voilà. Et tu es au courant de toutes ces raisons pour lesquelles nos parents refusent toujours de faire ces Oui, métiers. oui, Comme oui. quoi? Ben, moi, je me dis, ils ont raison. Oui. Ils ont raison. Pourquoi? Dans quel Parce que, sens? je m'explique, hein. Ouais. Pourquoi? Parce que, ici, au Congo, le mannequinat, déjà, n'est pas valorisé, on va dire. Oui. Et les mannequins ne sont pas respectés. Mais pourquoi? Je ne juge pas d'autres agences, Voilà.
Déjà, moi, je ne suis dans Dans aucune aucune agence agence. ici. Ok. C'est mes raisons personnelles. Moi, je vais juste expliquer ce que je pense, hein. Ok. C'est-à-dire, ici au Congo, les agences, je ne cite pas les noms, il y a d'autres agences qui préfèrent prendre les filles, surtout, pour, pas le mannequinat, mais Pour pour les vendre, prostituées. justement. Ok. C'est le terme qu'ils utilisent, vendre. Et ça, ce n'est pas bon. Moi, j'ai défilé ailleurs, j'ai été signée dans plusieurs agences ailleurs. Aucun manager Sans ne être m'a passé jamais de la vie. dans des chemins un peu obscurs. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Pas seulement moi, même les autres Ok. ailleurs. Mais pourquoi ici, c'est comme ça? Et c'est tellement. C'est triste, au fait. Et moi, ma fille, j'aimerais pas laisser ma fille dans une telle agence. Impossible. Parce que déjà, je veux mettre. Moi, je veux quand même. Aider ma fille à avancer et tout. Et quand j'amène par exemple, toi, tu as ton agence. Ah, mais elle est belle, hein? Donc, toi-même, tu commences déjà par. Par la complimenter d'une manière un peu Quand tu dis elle est belle, oui, on va dire merci, mais après, il y a des il y a idées. des ouais Et ça, c'est pas bon, en tout cas. Donc, c'est et pourquoi les parents, aujourd'hui, refusent. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort du tout. Deux fois, ils se disent, ben, j'attends d'abord que ma fille devienne mature, peut-être qu'elle va finir par par comprendre comprendre. oui D'elle-même, elle peut se battre. Mais comme certainement. ça, à cet âge où mineur et tout, c'est impossible. Moi, si aujourd'hui les parents acceptaient faire confiance pour leurs enfants et tout, parce qu'elles ont compris. Elles ont compris et j'ai discuté plus c'était les mamans, j'ai discuté avec et elles se sont dit, ben. Moi, j'aimerais bien que ma fille devienne comme toi. Moi, j'aimerais bien que ma fille devienne comme toi et tout. Voilà. Donc, la maturité compte aussi Ça dans ces compte. métiers. Ça compte beaucoup, beaucoup et beaucoup alors. Dans ces C'est ça. métiers, ici, dans ces métiers, pardon, ici ou ailleurs, si vous n'êtes pas mature, ça ne marchera jamais. La maturité compte beaucoup, beaucoup. Parce que c'est un monde complexe. Il y a tout. OK. Il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a tout à l'intérieur. OK. Mais il ne faut pas se laisser influencer. Il faut être mature, savoir gérer les choses. De tout ça, si vous n'en avez pas, c'est pourquoi je dis c'est un destin. Si Vraiment. c'est cherché par force, c'est pourquoi la plupart tombent toujours dans la drogue, dans Dans la la prostitution. prostitution. Dans ci, dans ça. Donc, si c'est un destin, c'est vraiment à vous, vous allez savoir comment gérer. Alors, Kani, vous êtes également patronne d'une marque de lingerie. Tu peux nous parler de ça? Oui, ma marque de lingerie qui s'appelle Cani Glam, oui. Déjà, pour commencer, le nom de Cani Glam. Cani, c'est Oui. mon nom de famille, Kanika. Canicat. Alors, j'ai coupé Cani. Déjà, ma marque, j'ai créé, enfin, j'y pensais depuis, j'ai commencé à penser depuis des années et tout. Je me disais, ben, un jour, je finirai par créer ma marque de De lingerie lingerie. et ma marque de fond de chèvre, lipstick et tout, qui arrive aussi d'ici peu, je vais faire le lancement. Donc, pourquoi? Parce que j'avais remarqué que nous, les femmes, c'était difficile, même les hommes, c'est OK. difficile de s'acheter des dessus, c'est-à-dire des Des sous-vêtements ou sous-vêtements. soutiens ou accessoires. Et j'ai dit, ben, pourquoi ne pas créer un truc pour faciliter la tâche? Donc voilà, c'est pourquoi j'ai dû créer la marque Cani Glam. Pourquoi Cani Glam? Parce que pour moi, je trouve que ça me définit, c'est-à-dire c'est glamour, Oui. sexy, en même temps simple. C'est moi, quoi. Donc ça vous définit. Ça me définit en quelque sorte. Il y a déjà un événement prévu pour ça, un défilé. J'ai pas encore tenu de défilé, mais c'est en vue d'ici, peut-être après le confinement. Je suis en train de travailler dessus. Je vais organiser un défilé pour ça. Un Ça bon défilé sera pour bien ça. traité, bien vu par l'opinion Je congolaise, sais avec les défilés presque que. dénudés. L'idée, oui, je sais Déjà, ça que. se fait pas vraiment du tout ici au Congo, hein. Non. Mais il faut changer les choses quand même. Il faut changer les On est choses et bantou, on tout. n'oublie On pas. est bantou, oui, mais quand tu choisis le métier, donc il faut le faire jusqu'à la fin.
je sais comment je vais le faire pour pas blesser les autres, pour pas déranger les autres en tout cas. Mais voilà, je veux le faire en tout cas, je veux le faire. Alors, vous pensez aussi avoir une marque des vêtements, hormis la marque des lingeries? La marque de vêtements, non, j'y pense pas en tout cas, j'y pense pas. Moi, c'est plus la lingerie, Lingerie, non. cosmétiques, make-up, lipstick, pardon, et autres. Mais la marque de vêtements, non, en tout cas, non, j'ai pas ça dans la tête. Et sinon, même pour mon agence, pardon, je parlais de, j'ai l'agence, c'est le truc, Oui. pour ma marque de lingerie, pour le moment, c'est en site web. Si tu vas sur www.caniglam, Exactement. oui.com, vous allez tomber sur le site, ou soit sur Facebook, c'est aussi cani.glam. On peut également faire des achats en ligne En ligne, oui. Nous faisons la livraison à à domicile. domicile. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner à ces jeunes-là qui voudront être comme vous? Oui, bien sûr. C'est que moi, je pense dans la vie, il ne faut jamais forcer. Il ne faut pas forcer. C'est qui à toi est à toi. C'est qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Donc, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de chercher de gris-gris ou quoi que ce soit, non, ça finit toujours mal. Donc, je demande juste de la patience, surtout la patience, et aimer ce que tu fais, travailler dur, se respecter, respecter les autres, connaître sa valeur, puis voilà. Et aimer ce que vous faites, avoir la passion, c'est ce qui détruit d'ailleurs ces métiers ici au Congo parce qu'on apprend aujourd'hui dans des sites web, les réseaux sociaux, qu'il y a un grand événement ici au Congo qui, jusque-là, il y a 8 mois d'impayement, Oui, arriéré de salaire. j'ai entendu parler, Voilà. c'est décevant, c'est vraiment décevant. On peut C'est avoir la même passion, mais. pourquoi, plusieurs parents ne préfèrent pas au fait laisser les enfants ou les, voilà, S'engager dans les mannequinats. justement, c'est à cause de ça. Et c'est décevant, C'est c'est quand déplorable. même pas juste. C'est-à-dire, si moi je travaille, je mérite quand même mon salaire. J'ai travaillé, j'ai bossé Ok. pour vous, je mérite quand même mon salaire. Donc voilà, et ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. C'est pas un problème de gérance de la part du ministère de la Culture. Non, rien à voir. Rien à voir avec. Non. Déjà, moi, je me dis, le problème vient déjà de nous-mêmes, mannequins. Parce que si moi, je ne me respecte pas, si je ne connais pas ma valeur, eh Personne ben, ne peut, voilà, personne. ne peut le faire à Donc, notre ça vient de place. moi d'abord, et puis après la suite. Mais c'est malhonnête quand même, parce que si moi, j'arrive pas à comprendre ce que je vaux, Oui. ben, vous pouvez me faire comprendre que non, madame, en tout cas, vous méritez ci, vous méritez ça. Ah Voilà. bon? C'est comme ça. Mais si vous profitez de ça, c'est pas bon. Maintenant, c'est le problème. La faute vient de moi, oui, je l'accepte. Mais vous, maintenant, vous profitez de ça, et ça, c'est pas bon. Pourtant, vous connaissez la logique de la chose. Ailleurs, ça se fait pas. Un mannequin qui bosse pour toi mérite quand même d'être payé ou mérite beaucoup de respect et de considération, moi je pense. Et Caniglam fera aussi exception. Oui, justement. Donc, si je sais que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire Oui. c'est comme ça que c'est moi, ça va se passer et ça se passe d'ailleurs. Il y a beaucoup de respect. Je connais. Il faut quand même un minimum Voilà. de considération. Considération. Voilà. C'est pas beaucoup. On demande pas de. On Au demande pas risque de. de ne pas être traité comme voilà, comme les autres. Non, non, Hein. non. Moi déjà, si moi-même ça me touche, mais pourquoi je veux le faire aux autres? Si moi ça me dérange, pourquoi je vais déranger les autres? Non. Il faut éviter quand même. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. C'en est presque fini dans cette émission des modèles Unstar Story qui a reçu pour vous aujourd'hui l'une des top modèles ayant impacté dans le monde. Et elle a fait également plusieurs passerelles, plusieurs podiums, plusieurs magazines, des top modèles. C'était Sarah Kanika, notre invitée du jour, à qui je remercie énormément Je vous de nous remercie avoir aussi. permis d'avoir ces très bons temps avec vous. Je suis Merci à vous vraiment aussi. content. Miss Kani, Ouais. nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, quel est votre mot de la fin? Pour commencer, j'aimerais remercier Leadership Moment. Moment Oui. et Modèle Unstars Story
Merci énormément. Donc, je dirais, ce métier, c'est pas facile, mais si vous aimez, il faut le faire. Je vous encourage. Mais il faut savoir ce qu'on veut, c'est qu'on aime. Et si on veut vraiment le faire, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup aimer le métier parce que c'est pas facile en tout cas. C'est pas du tout facile. C'est tellement complexe, donc il faut vraiment aimer. Et encourager aussi, encourager, pourquoi pas, toutes les personnes qui se disent intéressées à venir. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc voilà. Et sinon, par rapport à moi-même, s'il y a des personnes qui aimeraient bien me suivre aussi, allez-y sur. Je suis souvent sur Instagram. Okay. C'est Sarah Soutré Kanika Soutré officiel. Et Facebook, c'est Sarah Kanika Touré. Ok. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été la nôtre aujourd'hui. Un réel plaisir. Merci à vous aussi, à vous qui nous avez suivis dès le début de cette émission, qui a reçu pour vous Miss Kanika, la top modèle de son temps. Elle a marqué son parcours, vous l'avez vu d'ailleurs dès le début de cette émission. Je suis Graxi Tamoumbiaï qui vous a présenté cette émission. Et si vous voulez suivre l'intégralité de notre programme, n'hésitez pas d'aller cliquer sur Leadership Moments, votre chaîne YouTube. Vous aurez toute l'intégralité de cette émission. Et merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné dès le début jusqu'à la fin. En tout cas, on est là pour vous. Au revoir.